Un cheval mécanique dans un centre équestre. Et oui, chers amis, nous sommes aux écuries de la Gonière chez les sœurs Anne-Laure et Géraldine David, chez qui Mathieu Nadeau, le célèbre déboueur pré-entraîneur, est venu faire une journée initiation à la monte jockey à des cavaliers de centre équestre. On va voir tout de suite ce que ça donne. Le début de l'histoire, elle s'est faite de manière assez rigolote. C'était à La Rochelle chez mon ami. Il m'a demandé de faire un stage course pour faire découvrir ça à ses élèves. Et puis, ça a fait pas mal d'engouement autour. On a fait ce premier stage un petit peu en se disant, on va voir comment ça se passe. Et en fait, c'est vrai que les gens connaissent pas les courses, sont vraiment passionnés de ça. Et ouais, c'est quelque chose qui fascine un petit peu. Ils découvrent, ils posent plein de questions. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment un intérêt. Et je pense que les deux mondes ont énormément à s'apporter l'un et l'autre. Dans le sport, il y a énormément de gens vraiment très passionnés qui font ça juste pour la passion et sans compter. Et je pense que c'est des gens qui pourraient demain être dans les courses et ramener un petit peu ça aux courses. On en parle avec les point to point, etc. Mais ramener de la passion, vraiment. Là, on va tourner. Okay. Donc, c'est important pour les deux que quand on tourne à gauche, bah, peu importe de quel côté on tourne, en fait, celui qui est à l'extérieur, il doit toujours avoir un petit avantage sur celui qui est à l'intérieur. Que ce soit les chevaux ou cavaliers, ils se sont vite mis dans le jeu et c'était très intéressant, c'était très drôle. Et puis si moi je mets ça en relation avec le complet, parce que je fais du complet en compétition, bah, pour travailler l'équilibre sur le cross, c'est vrai que ça nous apporte en plus une autre corde à notre arc, quoi, une autre possibilité de faire. Voilà. Je trouvais que c'était intéressant de pouvoir leur apporter ça à nos cavaliers de club, parce que ces deux mondes ne se rencontrent pas souvent. Et c'était un bon moyen de rassembler nos cavaliers de centre équestre et de leur faire découvrir un peu le monde de la course. Je trouve que nos cavaliers ont, comme tout cavalier qui débute, un problème d'équilibre. Et je trouve que le fait de monter court, on n'a pas le maintien de nos jambes. Donc on est obligé de trouver son centre de gravité pour se mettre en sécurité. Et pour moi, je voulais que ça apporte beaucoup à mes cavaliers de complet cette sensation de centre de gravité, avec le travail sur les mannequins aussi, donc qui évite de fatiguer le cheval et de comprendre beaucoup de choses. J'avais déjà justement expérimenté ça chez David Lumet. J'avais fait une matinée où j'avais monté 4 lots. Bon, c'était pas grand chose, mais justement ça m'avait permis de progresser dans mon équilibre, moi, de cross en tant que cavalière de complet. C'était vraiment hyper sympa d'avoir ce cheval qui tire sur les rênes, où nous on cherche toujours à avoir de la légèreté un petit peu dans les mains. Là c'est vraiment différent et c'était super sympa comme expérience. Ouais.